Salut tout le monde, c'est Accor et aujourd'hui on va se retrouver pour faire un tutoriel sur le dual boot. Donc dual boot c'est quand sur l'ordinateur dès qu'on allume on pourra choisir deux systèmes d'exploitation ou plus. Donc là moi dans mon cas il y aura Windows XP et Linux Xubuntu. Donc vous ça pourra être n'importe quoi, hein. Ça pourra être Windows 7 avec n'importe quel autre OS ou comme vous voulez. Mais je vous conseille d'avoir par défaut un Windows. De préférence XP, Vista ou 7. 8 je connais pas encore, j'ai pas utilisé donc voilà. Donc ce tutoriel vous pourrez le faire sans réinstaller votre ordinateur. Moi là j'ai réinstallé comme ça c'est tout propre mais bon. Donc je viens de réinstaller Windows XP. Là je suis avec mon iPad mini. Donc voilà. Là je suis sur un ordi que j'ai bricolé vite fait. C'est un ordinateur portable que j'ai démonté que je l'ai accroché derrière la carte mère, j'accroche derrière l'écran. Ça fait un petit truc assez stylé, un peu comme les Mac truc. Enfin bref, donc on est là. Donc pour ça, déjà il vous faut un OS installé sur votre ordinateur. Et voilà quoi, et un assez grand disque dur aussi quand même. Donc vu que sur mon ordinateur il n'y a pas de lecteur CD, vu que c'est un ordi portable, c'était un petit. Donc je vais faire tout ça sur clé USB, donc là ce Windows là je l'ai installé à partir d'une clé USB. Sur support amovible, et puis le Linux je vais faire la même chose, je vais le mettre sur une clé USB. Donc demandez-moi par commentaire si vous voulez que je fasse un tutoriel sur comment mettre un OS sur une clé USB à partir d'un ISO ou alors à partir d'un CD ou comme vous voulez, je ferai un tutoriel là-dessus pour Windows, pour Linux et voilà. Donc là je vais éteindre l'ordinateur, je vais prendre ma clé USB où il y a Linux dessus. Là je vais faire une petite coupure parce que sinon ça risque d'être long mais voilà. Et puis on va se retrouver après sur Linux et puis je vais vous montrer la démarche à suivre pour pouvoir mettre les deux systèmes d'exploitation côte à côte. Allez, on se retrouve dans pas longtemps. Salut. Donc salut à tous. Là je viens d'installer la clé USB avec le Linux Xubuntu dessus. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de lecteur CD, donc je vais faire tout ça à partir d'une clé USB. Donc là je vais allumer l'ordinateur. C'est où ça se trouve au-dessus. Je vais faire la combinaison de touches pour accéder au boot menu. On choisit l'appareil de boot. Donc il y a Holor Internal HDD, donc c'est le disque dur interne de l'ordinateur. Donc moi j'ai utilisé booter sur une USB. USB Storage Device. On fait entrer. Enfin moi je suis entré, après vous serez peut-être sur CD comme je ne sais pas du tout. Donc vous faites ça. Donc là moi je vais utiliser une Edbootin pour faire le boot, pour faire le boot menu de Xubuntu. Donc ouais c'est normal. Donc voilà, ça lance Xubuntu. Là je suis Xubuntu 12.04 je crois, en version LTS, donc c'est la version qui dure 3 ans, qui marche toujours pendant 3 ans quoi. Enfin je sais pas comment expliquer. C'est une version qui permet de... Comment dire. Enfin elle sera toujours fonctionnelle dans 3 ans, maximum 5 ans. Donc c'est mieux puisque comme ça il n'y aura pas de problème et tout. Puis si vous l'aimez bien cette version, vous pourrez la garder sans qu'il y ait de problème. Donc là je vais peut-être skipper, je sais pas. Allez, on se retrouve juste dès que le chargement est fini pour vous montrer la marche à suivre. Donc nous revoilà.
Donc j'ai réussi à l'allumer, à le démarrer. Donc là, bah, tout simplement, vous allez cliquer sur français pour que le système soit en français. Vous faites continuer. Donc ça va, ça a chargé. Hein. Donc normalement, il y a un fond d'écran, mais là, ça laguait tellement que j'ai même pas pu le mettre, quoi. Il a dû se désactiver le truc. Normalement, là, je pouvais être connecté à Internet puisque la carte réseau de mon ordi est connectée à Internet. Enfin, elle est compatible Linux plutôt. Mais vu que tellement que ça lag, et bah, j'ai pas pu le voir. Donc, c'est pas grave. Vous, si vous êtes en Ethernet, donc le câble branché directement à votre ordinateur pour avoir Internet, enfin, le câble qui est branché à la box, là, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah, vous. S'il y a un tic là, un truc vert comme ça ici. Je vous conseille de cliquer là. Ça, non, ça sert à rien. Donc, vous faites continuer. Donc, bon, voilà, là, je vais pouvoir choisir ma connexion. Bon, je vais couper, je remettrai dès que j'aurai mis mon réseau. Donc nous revoilà, j'ai oublié de vous dire, si votre carte Wi-Fi est reconnue par Linux, bah, ça vous fera comme moi, là, comme il y avait il y a 2 secondes. Par contre, faites très attention quand vous tapez votre clé, le clavier est encore en QWERTY, donc le A est à la place du Q et le Q est à la place du A, je crois. Faites gaffe, puisque voilà, j'ai dû... Donc je vous conseille de faire Show Key, comme ça vous voyez la clé. Et puis comme ça vous trompez pas parce que sinon ça marchera pas. Donc là je suis connecté à Internet, donc je vais pouvoir faire précédent, télécharger, mise à jour pour l'installation, continuer. Donc là je crois qu'il a gardé la connexion que j'ai mis. Donc voilà ce qu'il va nous proposer. Donc là, il nous dit qu'il y a un Windows installé sur notre ordinateur. Donc, que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Installer Xubuntu à côté de notre Windows. Donc, cette fonction, ça va formater tout le disque. Celle-là, ça va installer à côté de. Ça fera un dual boot, quoi. Ça va installer à côté de notre Windows. Donc, c'est cette fonction qui nous intéresse. Celle-là, ça va complètement formater vos disques durs et mettre seulement Xubuntu. Et cette fonction, bah, je ne connais pas. Ouais, c'est pour redimensionner partition. Donc ça, c'est pour ceux qui sont un peu plus forts. Je pourrais le faire, mais moi, vu que j'en ai pas besoin, puisque je compte mettre seulement 2 OS, bah, je vais faire la solution d'en haut. Donc pour faire un dual boot, c'est sur celle-là qu'il faut cliquer. Vous faites continuer. Et là, on peut choisir les partitions, la taille des partitions. Donc normalement, il y a un logo qui va s'afficher. Normalement. Donc là c'est le disque dur qu'on a, donc si on a plusieurs et ben vous pourrez choisir celui que vous voulez. Donc moi mon disque dur fait 30 Go, 26,8. Par contre je sais pas du tout c'est lequel Windows, je sais pas du tout c'est lequel Linux. Normalement il y a un logo qui s'affiche avec Windows et l'autre Ubuntu, mais là non. Donc j'imagine que Ubuntu c'est ici. Normalement Ubuntu c'est celui qui prend la plus petite partie. Donc moi je lui mets, en fait on glisse le slider un peu. On clique et on peut choisir la taille des partitions. Donc Ubuntu, ça doit être ici normalement. Donc moi je vais mettre une partition de 8 Go. Et puis le reste sera pour Windows. Là on va mettre 10 pour être sûr. Donc comme ça il y aura 10 Go pour Linux et 20 Go pour Windows. On clique sur installer maintenant. Comme ça vous apprendra à installer Linux. Donc c'est assez similaire sur les autres distributions. Donc là il nous prévient que ça modifie le disque dur, ça va créer des partitions. Donc après vous pourrez. Enfin voilà quoi, il vous prévient que ça va faire plusieurs partitions. Donc là on fait continuer. Donc ça charge. Là, il commence à installer. Hein.
Donc là, on choisit le fuseau horaire. Donc moi, c'est Paris, donc on clique, on continue. Après, il va nous parler de la disposition du clavier, normalement. Voilà. Moi, c'était celui-là. Donc vous, je vous conseille de faire détecter la disposition du clavier. Mais normalement, par défaut, celui qui met, ça doit être lui. Donc on fait continuer. Aussi, vous pouvez essayer les caractères spéciaux ou si votre clavier a des touches spéciales, essayer de taper la zone de texte. Donc votre nom. Donc, vous voyez, hein, latitude des 420, c'est un Dell latitude des 420, l'ordi portable, et puis je l'ai mis derrière l'ordi. Donc, AQ0, alors attends, ce clavier c'est bizarre. Putain, ça fait chier ce clavier. Parce que j'ai un clavier, il est un peu bizarre en fait. En fait, faut appuyer sur CTRL NUM et puis après appuyer sur des touches. Enfin bref, c'est chelou. Donc, on va l'appeler. Donc là, vous choisissez le nom de, bah, le nom que portera votre ordinateur, votre nom d'utilisateur. Il est buggy ce truc. Accord PC, par contre il a eu deux trucs. Bon. On est obligé de mettre un mot de passe, je crois. On est obligé de mettre un mot de passe même si on ne veut pas l'utiliser. Donc 2 secondes. Donc voilà, j'ai tapé le mot de passe. Donc là, vous pouvez choisir si au démarrage de la session, au démarrage de l'ordinateur, quand vous booterez sous Ubuntu, enfin sous Linux, vous pouvez choisir que ça ouvre la session automatiquement, donc comme dans Windows quand vous mettez pas de mot de passe. Là, vous pouvez choisir qui vous demande un mot de passe. Donc moi, je ne vais pas me faire chier, je vais faire pour qu'il n'y ait pas de mot de passe. Fait continuer. Donc voilà, donc là il vous dit il vous parle de l'OS quoi, ils vous disent les nouveautés, les trucs. Donc, vous voyez que c'est un mélange entre Ubuntu XFCE et donc ça fait Xubuntu. Donc c'est la version LTS, je sais pas si j'ai déjà dit, donc c'est la version en fait qui marche 5 ans maximum, donc en fait il n'y aura pas besoin de, il sera toujours compatible, ça doit être ça. Voilà, donc là ça copie les fichiers, enfin bref ça s'installe quoi. Je pense que je vais couper, je remettrai quand ça aura redémarré. Allez, on se retrouve dès que ce sera fini. Là normalement il vous demandera plus rien. Si vous demande quelque chose, bah, je remettrai la vidéo et puis voilà. Donc là, on se retrouve dans pas longtemps. Donc on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Donc là ça vient de terminer d'installer. Donc on va redémarrer l'ordinateur. Donc là il quitte les processus. Donc là on va redémarrer l'ordinateur. Et là normalement on aura accès au boot menu. Donc voilà. Donc on pourra choisir. Ou alors Ubuntu, donc c'est Xubuntu, mais écrit Ubuntu.
Ouais, là, c'est le démarrage automatique, donc là, ça démarre automatiquement sur Ubuntu normal. On va voir ça tout de suite. Après, je vais vous montrer avec Windows. Donc, ça boot par défaut sur Ubuntu. Donc, j'ai pris cette version parce que déjà, elle est légère et puis il n'y a pas besoin de beaucoup de ressources pour fonctionner. Puis elle a des petites ressemblances avec Windows aussi. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, dites-moi par commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur... comment mettre un ISO d'un OS ou alors carrément le CD, comment transférer tout ça sur une clé USB et pouvoir booter dessus directement avec son ordinateur qui n'a pas de lecteur CD ou alors s'il est en panne ou je ne sais quoi. Comme ça, juste avec une clé USB, vous pourrez installer Windows ou alors Linux ou tout ce que vous voulez d'autre. Donc dites-moi par commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos comme ça, enfin une vidéo, un tutoriel sur ça. Allez, on attend. Parce que c'est le premier lancement, donc ça met un peu de temps. Donc voilà, puisque le bureau est chargé. Donc, vous pouvez remarquer que l'interface c'est pas la plus belle du monde. Hein. Mais au moins c'est fluide. C'est en français. Donc voilà, donc là je vais redémarrer, puis je vais mettre Windows pour vous montrer que le dual boot fonctionne bien. Donc voilà, là je vais faire j'ai booté sous Windows maintenant pour vous montrer que les deux fonctionnent. Donc on allume l'ordinateur. Donc j'ai enlevé la clé USB. Donc c'est là-dessus que j'ai mis... voilà, c'est là-dessus que j'ai mis en même temps XP, enfin que j'ai mis XP et Linux. Donc j'ai pas utilisé de CD, j'utilise seulement une clé USB. C'est grâce à ça que j'ai installé les deux. Donc comme je vous ai dit juste avant, demandez si vous voulez que je fasse un tutoriel hein, pour mettre les OS sur la clé USB. S'il y a beaucoup de demandes, je ferai un tutoriel. Donc là, je vous avais pas eu le temps de vous expliquer tard puisque ça bootait automatiquement sur l'Ubuntu en premier. Donc, attendez, je vais faire une petite mise au point. Donc voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc on peut voir déjà la qualité de l'iPad quand même, hein, qui est vraiment sublime. À côté des appareils photo et tous les téléphones et tout, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc en tout premier Ubuntu, donc c'est Xubuntu. Hein. En deuxième mode de dépannage, donc c'est équivaut un peu au mode sans échec de Windows un peu. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Memory test, c'est pour tester la RAM. Donc si vous avez un PC avec de la RAM défectueuse, bah, vous le lancez. Puis normalement avant d'être au 2%, il y aura des erreurs qui s'afficheront et puis bah, vous saurez que la RAM est pourrie, donc il faudra la changer. Donc nous on va booter sous Windows NT 2000 XP. Donc en fait c'est parce que je sais pas comment faire pour modifier les titres, mais je pense que j'essaierai de faire un tutoriel là-dessus pour comment changer les titres du boot menu. Donc nous ce qui nous intéresse maintenant puisqu'on a déjà fait Linux là où maintenant on va faire Windows. Donc on fait entrer quand on est dessus. Et donc ça va booter sous Windows. Donc voilà, on a fini le tutoriel. Je vous ai appris aujourd'hui à faire cohabiter deux systèmes d'exploitation sur votre même ordinateur. Donc un Microsoft Windows et un Linux. Mais je dis ça, mais vous pouvez aussi mettre deux versions de Windows. Donc par exemple Windows XP et Windows 7. Ça je vais annuler parce que ça sert à rien. Parce que vu que Linux il a modifié le disque dur, il voulait analyser le disque dur à la recherche d'erreurs. Mais il n'y a pas d'erreur. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, donc grâce à cette technique, vous pourrez mettre en même temps deux Windows
Ou alors de Linux, ou enfin, genre par exemple, vous mettez la version 11.04 et la version 12.10, comme ça en même temps vous aurez deux versions de Linux, mais je trouve pas ça trop utile. Donc, moi je vous conseille de mettre une version une version de Windows et une version de Linux, mais bon, après faites comme bon vous semble. Donc voilà, donc sur le même ordi, on a XP et on a Linux. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un like si... Merde, je me suis trompé. Donc je disais, pensez à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Pensez, mettez un commentaire si vous avez des questions ou alors si vous avez des propositions à me faire. Enfin des... Voilà. Aussi, je vous ai pas dit si vous avez des suggestions de vidéos ou enfin, des... si vous voulez que je fasse un tutoriel ou je ne sais quoi. Demandez-le par message privé ou par commentaire sur une de nos vidéos. On essaiera de le faire. Donc voilà, pensez à liker, pensez à mettre un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre toutes nos vidéos. Et comme je vous ai dit plein de fois, pour le tutoriel de la clé USB, demandez-moi parce que je pense que ça en aidera plus d'un. Donc allez, je vous dis salut à tous.